monde, moi c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle sport, on parle nutrition, sophro et tout un tas de choses pour se sentir bien dans ses baskets. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport. La thématique de cette vidéo est axée sur les abdominaux. Aujourd'hui, je vous propose un petit circuit simple et rapide à faire à la maison. Il vous suffit simplement d'avoir un tapis de sol, une paire de baskets et une tenue de sport et le tour est joué. Avant de commencer cet entraînement, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas en dessous de la vidéo. C'est gratuit et surtout ça m'aide énormément. N'hésitez pas à sonner la toute petite cloche juste à côté pour être notifié des prochaines vidéo. Allez, on est parti pour l'entraînement. On commence d'abord dans un premier temps avec l'explicatif des mouvements. Si jamais vous avez déjà fait cet entraînement avec moi, n'hésitez pas, je vous mets un petit time code juste en dessous de la vidéo pour accéder directement à l'échauffement. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'entraînement composée de 5 exercices. On va effectuer chaque exercice sur 30 secondes en enchaînant les 5 exercices directement. Puis à la fin du premier tour, on prendra 30 secondes de récupération et on fera ça sur 4 à 5 tours. On démarre avec le premier exercice. Pour ce premier exercice, je vous propose le climber. Pour le climber, la position est simple. Vous vous positionnez les mains en dessous des épaules. Je vous invite à réaliser les exercices une première fois avec moi. Et ensuite, sur pointe de pied, vous avez le centre du corps et le nombril bien absorbé vers l'intérieur, les fessiers contractés. Et on va venir tout simplement alterner un genou après l'autre à l'intérieur. Ça, c'est la version lente pour ceux qui débutent. Sinon, si vous avez déjà l'habitude de faire cet exercice, je vous propose d'aller un petit peu plus vite sur vos genoux. Attention toutefois, si jamais vous décidez d'aller un peu plus vite sur vos genoux, il est toujours important de maîtriser son bassin sur cet exercice. Ensuite, je vous propose le hoover. Pour cet exercice, on va se placer sur le côté, le coude en dessous de l'épaule, très important. Et ensuite, vous allez choisir soit un genou au sol, une jambe en l'air et on débute comme ceci, soit sinon la jambe du dessous derrière la jambe du dessus. On va tout simplement venir twister l'intégralité du corps vers l'avant sans poser le coude au sol et en gardant une position de gainage. Puis on revient. Option sur les genoux, vous choisirez. Vous pouvez twister intégralement, mais vous twistez tout le buste et vous revenez avec les deux genoux posés au sol. Puis vous revenez comme ceci. Pour le troisième exercice, je vous propose un gainage avec un tap épaule. Alors pour celui-ci, deux options. Soit vous vous mettez sur les genoux si vous êtes plutôt débutant, soit vous vous mettez directement sur pointe de pied. L'objectif va être de décoller une main et de venir toucher l'épaule opposée. Le tout sans twister le bassin et en restant bien fixe. Alors faites bien attention de ne pas avoir un bassin qui twiste comme ceci vers l'extérieur à chaque fois que vous allez décoller. L'objectif, c'est pas forcément d'être très rapide sur ce mouvement. Il vaut mieux prendre son temps, bien contrôler le mouvement et surtout bien gainer le centre du corps. Ensuite, en quatrième exercice, on reprend le hoover, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et enfin, pour terminer, on va terminer avec un petit exercice de dos. Ici, je vous invite à vous placer à plat ventre au sol. Et vous allez venir positionner vos mains juste devant vous, comme ceci, en croisant les mains devant vous. Vous posez votre front sur vos mains. Et ensuite, ici, on viendra simplement décoller la poitrine pour activer le dos, décoller les jambes et venir effectuer des petits battements de nage. Alors, sur cet exercice, en option, si jamais c'est trop intense pour vous au niveau du dos, vous gardez seulement la poitrine décollée et vous posez vos pieds au sol. Maintenant qu'on a fait le tour des exercices, je vous propose, avant de commencer, un tout petit échauffement. Ce n'est pas parce qu'on fait un travail exclusivement d'abdominaux qu'il ne faut pas s'échauffer, bien évidemment. Ici, on va mobiliser un petit peu notre colonne vertébrale et échauffer tous les muscles du caisson abdominal juste avant de débuter la séance. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Je vous invite à vous placer ici à cheval sur votre tapis, comme ceci. Les genoux en dessous des hanches à peu près et les mains en dessous des épaules. Et on va venir simplement faire un dos rond. Hop, vous allez venir creuser au maximum le nombril vers l'intérieur, arrondir votre dos. Et à l'inverse, faire un dos creux en venant creuser, en ouvrant le regard vers l'avant. Et vous continuez comme ça. Ici, on va commencer à mobiliser toute la colonne vertébrale. On creuse et on ouvre. Thank you.
bien. Maintenant, placez vos mains un petit peu plus vers l'avant, vos pointes de pied, et vous poussez ici, les hanches vers l'arrière pour allonger votre colonne, puis vous revenez vers l'avant, en gainage, et vous posez les genoux au sol, puis vous descendez tout doucement, et vous ouvrez en chien tête en haut. Voilà, là ici, on va venir simplement creuser la colonne. On revient vers l'arrière, on allonge, et on glisse vers l'avant, et on ouvre. On refait ça encore une fois, on glisse vers l'arrière, on allonge, et on glisse vers l'avant, et on ouvre. Très bien, revenez face à moi ici, vous allez simplement vous placer en tailleur, les mains de chaque côté du buste, et vous allez commencer tout doucement à ouvrir vers votre droite. On ouvre le regard, on essaie de maintenir une colonne longue pour maintenir vraiment un bon espace entre chacune des vertèbres. Puis tout doucement et en prenant son temps, on revient au centre et on vient twister de l'autre côté. On revient à droite. Et on revient à gauche. Très bien, vous pouvez vous replacer au centre. Écoutez, maintenant qu'on est bien échauffé, je vous propose de commencer l'entraînement. On se met en place pour le climber. 30 secondes d'effort par exercice. On enchaîne les 5 exercices. Et on prend 30 secondes de récup à la fin. On fait ça 4 fois. C'est parti! Thank you.
Thank you.
cet entraînement est à présent terminé. Félicitations à vous si vous avez tenu jusqu'au bout. N'hésitez pas à répéter cet entraînement abdo 3 à 4 fois par semaine. Comme vous avez vu, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est assez facile à mettre en place dans votre routine journalière. Alors surtout, vous en privez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti pendant votre séance. N'hésitez pas aussi tout simplement à me dire en commentaire quel type de séance abdo vous faites actuellement à la maison. Pensez à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout si cette vidéo vous a plu, à mettre un gros pouce, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !